désirer après le mariage. Comment se faire désirer après le mariage? Vous savez, une femme même, c'est-à-dire que quand elle n'est pas encore mariée, quand elle est avec son chéri, elle est forcément dans la séduction, c'est ça. Parce qu'elle recherche quelque chose. Elle a envie que cet homme s'engage. Elle a envie que cet homme se marie. Et donc, elle fait attention à elle. Elle fait de telle sorte que le mec, il soit fou d'elle pour la marier. Mais une fois qu'elle est mariée, parfois, il y a un laisser-aller. C'est-à-dire qu'elle ne fait plus d'efforts. Et donc, le monsieur, il est dans son foyer, il est avec sa femme, et puis, il sent plus cette attirance-là. Il sent que la femme, elle s'est délaissée un peu tout. Non, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment se faire désirer, même après son mariage. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je dis, quand on tombe enceinte, c'est-à-dire qu'une femme même, quand elle est enceinte, depuis sa grossesse, elle doit commencer à prendre soin d'elle. C'est important. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es enceinte, ne te dis pas que comme je suis enceinte, je peux me laisser aller, je peux manger comme je veux, je peux faire ce que je veux, et puis bon, après je vais voir ça. Non. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es enceinte, dès la grossesse là, tu prends soin de toi, tu t'occupes bien de ton corps, tu t'occupes bien de ton entretien, jusqu'à ton accouchement. C'est-à-dire que tu prends des huiles pour masser ton ventre, tu prends des huiles pour masser ta poitrine, tu es toujours belle. Toujours maquillée. Une femme, même quand elle est enceinte, elle doit être maquillée. Voilà. C'est-à-dire que le maquillage, là, il ne faut pas te dire, oui, bon, je suis enceinte, je n'ai même pas envie, je la paresse. Non. Parce que tu es une femme mariée. C'est-à-dire que tu es avec ton mari. Donc, malgré ta grossesse, tu dois te maquiller. Tu dois toujours mettre un petit maquillage, toujours bien faire tes cheveux. Même dans ta grossesse, tu as porté des petites tenues de grossesse bien chic, bien sexy, façon là. Donc, le monsieur, même quand il te regarde même dans ta grossesse, là, il est content. C'est-à-dire que quand il te regarde même dans ta grossesse, tu l'attires encore. Parce que tu es enceinte, mais tu restes sexy. Tu es enceinte, mais tu restes attirante. C'est très important. Vous savez, moi je dis toujours, hein, je dis quand tu es enceinte, il ne faut pas te comporter comme autant d'ablapoku. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles sont enceintes, franchement, c'est dégoûtant. C'est vrai que chaque enfant a sa façon de faire dans le ventre. Chaque enfant a sa façon de fatiguer les femmes. Mais toi, une femme même, tu ne peux pas être mariée. Tu ne peux pas être ton mari dans la maison. Et puis, tu es enceinte, tu as une boîte dans ta main. Cette boîte-là, il y a du sable dedans. Cette boîte-là, il y a du sable dedans. C'est-à-dire que c'est toi qui dis que tu as la nausée. Et puis, tu as une boîte à côté de toi, il y a du sable dedans. Un, deux, trois, tu craches dans le sable. Un, deux, trois, tu craches dans la boîte. Hein? C'est pas bon. C'est-à-dire que ton mari, même, il est assis, même s'il sait que tu es enceinte. Mais ça dégoûte. Ça fait que le monsieur, même, tu es enceinte, il n'a pas envie de te toucher. Vous ne voyez pas les Whitey? Whitey, quand elle est enceinte, là, c'est pas ce qu'on appelle boîte du sable, les trucs comme ça. Non. Donc, toi, une femme, même si tu es enceinte, que c'est vrai, tu as la nausée, tu as envie de cracher, mais ne crache pas dans les boîtes, ne crache pas dans du sable, les trucs. Ça, c'était autant d'abla pour ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est fini, ça. Voilà, c'est pas sexy. Ça donne pas envie. Ça dégoûte même. Ça dégoûte. Il y a des choses qu'on vend. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qu'on vend. Toi, une femme, même si tu es enceinte, que tu as la nausée, si tu es enceinte, que tu as beaucoup de salive dans la bouche, que tu as envie de faire des choses, ça arrive. Mais il faut t'arranger de telle sorte que ce ne soit pas de façon énervante. Il ne faut pas que ce soit devant ton mari, non. Un homme, moi je vous dis toujours, je dis l'homme qui est là, il ne se dit pas que ah, parce qu'elle est enceinte, elle est en train de faire ça, je comprends. Non, l'homme là, c'est-à-dire que quand tu es en train de faire ça, il te regarde là, automatiquement l'envie peut partir. Automatiquement l'envie peut partir. Donc il y a des petits trucs, il y a des locaux, c'est-à-dire il y a des kaolais, il y a des petits trucs comme ça qu'on met dans la bouche. Pour ne pas que la salive vienne trop, ou bien quand ta salive vient un peu, tu vas un peu dans la salle de bain, ou bien dans la douche, dans le WC, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu viens t'asseoir. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, une femme même, tu es enceinte, tu es une femme mariée, tu es enceinte, tu attaches un morceau de pain sur ta poitrine, là, tu es blakata, couché blakata dans la chambre comme ça, dans la maison, tu es au salon comme ça, tu es négligé, tu es dans un état pas possible. Non, mes chéris, non! Grossesse, là, c'est pas maladie. Grossesse, là, c'est pas maladie. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, là, tu n'es pas malade. Tu es en bonne santé. C'est juste que c'est un corps étranger. Donc, ce corps-là fait qu'il y a des petits trucs qui te dérangent. Il y a des pierres. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Mais ce n'est pas une maladie. Je veux dire, tout se passe dans la tête. Toi, une femme, même quand dans ta tête, tu te dis que tu vas rester sexy, tu vas rester fatale. Même pendant ta grossesse, tu restes fatale. Même pendant ta grossesse, tu restes très belle. Il y a des tenues de grossesse qu'on vend. Il y a des tenues de grossesse qu'on vend. Même si tu n'as pas envie d'acheter les tenues de grossesse appropriées, tu peux te faire des petits boubous. Voilà, tu peux te faire des petits boubous, des jolis petits boubous. C'est important. Parce que vous pensez que quand on dit boubou là, vous pensez que c'est le boubou large, large, large.
Hein, des modèles larges, bizarres ou camouflants, non. Il y a des petites robes comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, tu prends des morceaux de pagne, tu prends des pagnes, tu donnes. On te fait des petites robes comme ça, des robettes comme ça, bien chic. Quand tu portes même ton ventre, tu es devant toi, tu es dans ta petite robe, tu es bien propre. Voilà, tu fais bien tes cheveux, tu te maquilles un peu. Tu es bien comme ça. C'est-à-dire que ton mari, même quand il te regarde comme ça, il est content. Ton mari, même quand il te regarde, il est content. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que quand toi, une femme même, pendant ta grossesse, tu prends soin de toi, tu prends soin de toi, ça fait que quand tu finis d'accoucher, automatiquement, tu as envie de continuer. Mais toi, une femme même, si pendant ta grossesse, tu te négliges, c'est-à-dire que pendant ta grossesse, tu te laisses blacata comme ça, tu te laisses devenir large comme ça, tu manges n'importe comment. C'est-à-dire que voilà, parce qu'il y a des femmes, à la base même, qui aiment manger. Il y a des femmes qui sont très gourmandes. Donc, quand elles sont enceintes, c'est-à-dire qu'elles trouvent une excuse pour manger de façon désordonnée. Mais toi, une femme, même si tu trouves une excuse comme ça pour manger, quand tu vas finir d'accoucher là, si tu as pris 30 kilos, tu as pris 50 kilos là, à quel moment tu vas perdre tous ces kilos là? Donc, je veux dire, pendant la grossesse, c'est vrai, il faut faire attention à sa ligne. Il faut faire un peu attention à ça. C'est-à-dire que tu peux manger plus que quand tu es normal, mais fais un peu attention. Voilà, parce que tu sais que quand tu vas finir d'accoucher là, il faut que tu élimines tout ça, il faut que tu deviennes pata. Parce que les maris d'aujourd'hui là, moi, c'est ce que je dis, les hommes d'aujourd'hui, les maris d'aujourd'hui là, ils ne sont pas dans le fait de dire oui, je suis patient, non. Les hommes d'aujourd'hui, même quand tu finis d'accoucher, quelques temps après, si tu restes un masque de grossesse, tu restes bizarre, ça les énerve. Tu les attires plus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent même plus vers toi pour dire même tu vas te faire désirer. Vous comprenez un peu? Donc, les hommes d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas patients. Les hommes d'aujourd'hui, ils ne se disent pas que une femme qui est enceinte, son corps peut devenir comme ça. Une femme qui a fini d'accoucher, son corps peut devenir comme ça. Non. Lui, il a envie de te voir toujours bien. Il a envie de te voir toujours propre, toujours belle. Donc, toi, une femme, tu dois toujours te faire belle, tu dois toujours te faire propre. Quand tu finis d'accoucher, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu vas accoucher et que tu sors de l'hôpital, tu rentres à la maison, ton entretien commence. Ton entretien commence. Ne te dis pas que oui, je vais rester comme ça pendant 2 mois, j'ai fait ce que je veux pendant 2 mois, 3 mois, après, je vais me rattraper. Non. C'est ça, non. Parce que quand toi, une femme, même tu finis d'accoucher, puis tu rentres à la maison, et puis tu fais venir ta maman à la maison. Ta maman fait les sauces agressives tous les jours. Elle fait les gros foutous tous les jours. Elle fait les gros plakali, les gros kabato. Elle te donne, tu es assise, on dit oui, elle est nourrice. Elle est nourrice, oh. Donc elle doit manger. Oui, elle donne à téter, oh. Faut la laisser manger. Quand une femme donne à téter, elle doit beaucoup manger, c'est n'importe quoi. Quand une femme donne la tête là, elle n'a pas besoin de beaucoup manger. Ça, c'était, c'est dit que ça, c'est les mentalités d'avant. Nos mamans d'avant, nos grands-parents d'avant, ils pensaient que une femme, quand elle finit d'accoucher, elle doit manger un gros plat de foutou le matin, elle doit manger un gros plat de plakali à midi, elle doit manger un gros plat de tchep à 16h. Non, non, non. Parce que pour avoir le lait là, il suffit juste de manger quelques petits trucs. Il y a des aliments, comme l'arachide. Voilà, comme des petits trucs comme ça, que tu manges. Quand tu manges frais, ça te donne du lait. Voilà, ou bien tu bois un peu de lait. C'est-à-dire que tu bois du lait ou tu bois du thé. Le thé, ça donne aussi du lait. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de s'empiffrer, de beaucoup, beaucoup manger parce qu'on est nourrice. Non. C'est-à-dire que quand tu fais venir ta maman à la maison, là, ta maman, là, elle vient, là, c'est pour s'occuper du bébé. C'est pour s'occuper du bébé. C'est pas pour te faire les nourritures, les grosses nourritures pour que tu manges. Oui, tu es là, tu te réveilles le matin, on va te masser. Eh, les pommades même qui font grossir, les beurres de karité, on te masse, et puis tu es assise là, on met beurre de karité sur toi. Beurre de karité même là, ça fait grossir. Beurre de karité là, ça fait grossir. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu finis d'accoucher, et puis on prend beurre de karité pour te masser tous les jours, pour te pommader tous les jours, tu brilles comme ça là, ça fait grossir. Donc, ça là, faut éviter. Beurre de karité là, ils n'ont qu'à prendre pour masser l'enfant. Ou bien toi, même si tu viens d'accoucher, on peut te masser un peu, même. Prendre beurre de karité, mettre sur ton corps tous les jours, tu es assise là comme ça, tu brilles comme ça. On dit, oh, c'est la nouvelle maman, elle vient d'accoucher, tu es poto comme ça là. Non, quand tu finis d'être poto comme ça là, et puis après maintenant, tu dois perdre les kilos là. C'est là le problème commence. C'est-à-dire que tu deviens très, très, très en forme, tu ne peux plus perdre tes kilos. Parce que tu es resté là, parce que quand on finit d'accoucher, les trois premiers mois, c'est là qu'on doit perdre son masse de grossesse. C'est-à-dire qu'entre le premier mois et le sixième mois, mais le premier jusqu'à troisième, quatrième mois, c'est là qu'on doit vraiment perdre le ventre, tout ça. Mais si toi, tu viens d'accoucher, que ces premiers mois jusqu'au troisième mois, toi, tu es en train de manger,
tu n'attaches pas ton ventre et tout, après 3 mois, après 4 mois, tu ne peux plus. Ton ventre là ne peut plus rentrer. C'est-à-dire ton poids que tu as pris là, tu ne peux plus perdre. Parce que 3 mois après là, au lieu de faire perdre ça, toi tu es resté là à manger, manger, manger. Fais très attention. Les hommes d'aujourd'hui là, ils ne réfléchissent pas comme les hommes d'avant. Non. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup dans du visuel. Ils sont beaucoup dans comment la femme est. Voilà, c'est-à-dire comment la femme est, c'est ce qui les attire. Tu sais pas parce que tu es sa femme que tu vas l'attirer forcément. Non. Mais cette façon, tu prends soin de toi là. Un homme même, c'est-à-dire que quand tu tombes enceinte de lui, que tu finis d'accoucher, même pendant ta grossesse, que tu es tellement entretenue, tu es toujours belle, toujours dans tes petites robes, toujours dans tes petites combinaisons, toujours dans tes petits pantalons, tes petits hauts. Voilà, les petits hauts, les marinières, là. Tu portes tes petits marinières comme ça. Tu es toujours bien chic comme ça. Ton mari, même, il est encore plus fou de toi. Ça fait que la nuit, même, il ne te laisse pas. Il est dans ton bas-ventre. Oui, il est dans ton bas-ventre. Oui, c'est important. C'est très important. Moi, quand j'étais enceinte, non. Quand j'étais enceinte de Tracy, jusqu'à la veille même, c'est-à-dire que jusqu'à la veille de mon accouchement, là, jusqu'à la veille de mon accouchement, là, on mourait. Le monsieur, il ne me laissait pas. Non. Parce que, si tu me voyais dans ma grossesse, là, grossesse de Tracy, si tu me voyais dedans, toujours dans mes petites tenues, toujours maquillée, toujours bien, toujours sexy. Donc, il voit ça comme ça, là, non. Son bas va me faire boum, boum, boum. J'ai dit jusqu'à la veille de mon accouchement. Jusqu'à la veille de mon accouchement, on était en train de faire. Et puis, je suis allée accoucher. Oui, bah, le monsieur même, ça dit qu'il ne voulait pas. Il dit non, ce n'est pas possible. Tu es enceinte même là, même, c'est maintenant même, j'ai envie de te. C'est maintenant même, tu ne sais pas, il y a quelque chose, tu es devenue encore plus. Parce que quand une femme même est enceinte, ça dit que naturellement, il y a la poitrine. Il y a la poitrine qui prend du volume. Comprenez? Il y a la poitrine qui prend du volume. Et puis, voilà, ça dit que tu deviens mûre comme ça, comme une mangue. Donc le moment même, ça dit quand tu t'entretiens comme ça là. Quand il regarde la mangue même bien mûre comme ça là, ça lui donne des envies comme ça. Quand tu as couché même là, et puis vois même les lolos là bien placés comme ça, par les bouts là, ça devient encore plus dur. Les seins là, ça devient encore plus gros, plus rond comme ça. Oui, le moment même quand il regarde ça même là, il salive. Il salive. C'est important. Il faut se faire désirer. C'est ça. C'est-à-dire que quand on dit de se faire désirer, c'est pas forcément dans le comportement, c'est aussi dans l'apparence. C'est ça. Parce que toi, une femme même, pour te faire désirer, il faut bien que tu attires. Tu dois attirer d'abord avant de te faire désirer. Mais si tu n'attires pas, tu vas faire désirer qui? Tu vas te faire désirer comment? Parce que si tu n'es pas attirante, là, le monsieur ne va pas avoir envie de toi comment? Et puis tu vas te faire désirer. Non. Donc, c'est-à-dire que pour te faire désirer par ton homme, il faut déjà commencer à vraiment prendre soin de toi. Il faut te rendre belle. Même si tu as la maison, tu dois te rendre belle. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme même, n'attends pas d'aller à l'église avant d'aller à l'église pour te rendre belle. N'attends pas qu'il y ait une soirée pour te rendre belle. Parce qu'il y a des femmes, elles sont dans leur foyer. Quand tu les vois belles, là, c'est qu'il y a mariage. Quand tu les vois belles, là, c'est qu'il y a église. C'est le dimanche. Quand tu les vois belles, là, c'est qu'il y a anniversaire ou bien il y a baptême dans la famille. C'est pour ça qu'elles sont belles. Sinon, à part ça, là, tu ne les vois jamais belles. Ça fait que souvent, même quand tu les vois belles, tu es choqué. Tu dis quoi? Tu dis, yeah, c'est toi ça? Bah oui, c'est moi. Yeah. Non, il ne t'a même pas reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on doit te dire ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Toi, une femme mariée, on ne doit pas te dire ça. Toi, une femme mariée, on doit toujours te voir coquette. On doit toujours te voir chic. On doit toujours te voir belle. Parce que ton mari, même non seulement tu te rends belle pour toi, et tu te rends belle pour ton mari. Parce que toi-même, quand tu te vois belle, ça crée une force en toi. Ça donne un côté fatal en toi. Et puis, ça te fait plaisir. Et ça fait que tu te fais désirer. Tu as envie de te faire désirer. Par exemple, l'homme même qui est avec toi, là, tu sens qu'il a envie d'être avec toi. Tu sens qu'il a envie de te demander des choses. Donc, tu as le temps de te faire désirer. C'est important. C'est très important. Moi, je dis toujours, hein, je dis, vous savez, quand tu es dans ton mariage, toi, une femme même, quand tu es dans ton mariage, ne te dis pas que parce que tu es mariée avec ton mari, parce que vous êtes maintenant ensemble, alors c'est fini. Tu dois le commander ou tu dois le surveiller. Qu'il n'a pas le droit de sortir un peu, il n'a pas le droit d'aller voir un peu ses amis et tout. Non, toi une femme, tu ne dois pas te comporter comme ça. Parce que toi une femme même mariée, si tu es trop jalouse, si tu es trop sur le dos de ton mari, tu ne pourras pas te faire désirer. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire qu'une femme, pour se faire désirer là, elle doit montrer à son mari que
Elle n'est pas, elle souffre pas d'une maladie jalousie, d'une jalousie maladive. Elle doit montrer à son mari que elle ne panique pas quand le monsieur sort. Elle doit montrer à son mari que quand il n'est pas là, c'est pas la fin du monde. C'est ça, c'est important. Donc toi, une femme même mariée, tu dois laisser ton mari sortir de temps en temps. Ton mari, quand il veut sortir de temps en temps seul, il faut le laisser sortir. Ton mari, quand il sort et puis il est dehors, il ne faut pas l'appeler. Non! Faut pas l'appeler. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que toi, une femme mariée, même ton mari sort, il est sorti, même pas 5 minutes, tu commences à l'appeler. Allô? Tu es à quel niveau? Tu rentres à quelle heure? Tu fais quoi? Non! Pourquoi tu te comportes comme ça? Non! C'est quand tu te comportes comme ça, tu n'es pas fatale, ma chérie. Ton mari, il sort, faut le laisser sortir. Reste à la maison. C'est-à-dire toi-même, si tu veux rester à la maison, reste à la maison. Si tu as envie de faire quelque chose, fais ce que tu as à faire. Si tu as envie de sortir un peu, sors. Ton mari, il ne faut même pas l'appeler. C'est lui-même, il va t'appeler. C'est lui-même, il va t'appeler. C'est lui-même, il va t'appeler pour dire, bébé, je suis sorti, je suis dehors, hein, t'inquiète pas, j'arrive. Hein. Je vais rentrer dans 1 heure, je vais rentrer dans 2 heures. Puis tu lui dis, ben non, mais je ne t'ai pas appelé. Fais ce que tu veux. Je ne t'ai pas appelé, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça, ton mari lui-même, il se dit, yé. En tout cas, ma femme, là, elle est fatale. Ben, elle a confiance en elle. Hein. C'est ça. Il faut laisser ton mari sortir. Parce que vous savez, un homme même qui est toujours à la maison, un homme même qui est toujours dans tes narines, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'il faut créer un manque. Pour créer un manque, il faut que vous soyez un peu distant. Il faut que vous soyez un peu séparés. C'est ça. Mais si vous êtes ensemble matin, midi, soir, si vous êtes ensemble tous les jours, tu vas créer un manque comment? Tu vas te faire désirer comment? Parce que tu es toujours avec lui. Non. Ton mari, même si c'est ton mari, laisse-le un peu s'éloigner un peu. Toi aussi, éloigne-toi un peu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'espace entre vous. Il faut qu'il laisse son espace. Il faut que toi, tu aies ton espace. C'est très important. Quand ton mari rentre comme ça, ton mari rentre de dehors, toi, la femme, ne panique pas. Ne panique pas. C'est-à-dire que ne lui dis pas, ben, tu ne manges pas, tu ne veux pas manger. Si ton mari te dit, non, je n'ai pas encore faim, tu n'as pas encore faim pourquoi? Tu as fait quoi dehors? Tu allais manger chez tes maîtresses là. Tu allais chez tes tutes là. Hein? Tu ne veux pas manger. Moi, mais je sais. Moi, mais je sais que quand tu sors là, je sais ce que tu vas faire. Donc, quand tu rentres, tu n'as pas faim. Non, ma chérie, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Non. Quand tu fais ça là, c'est pas bon, maman. C'est que tu n'es pas fatale. Ton mari sort quand il rentre à la maison là. Tu as préparé là. Tu as servi la nourriture. La nourriture est sur la table. Tu lui dis une fois seulement, bébé, il y a la nourriture. Tu vas manger ou tu attends un peu. S'il te dit non, je n'ai pas encore faim ou bien je vais attendre un peu, tu dis ok, c'est tout. Quand il aura faim là, il va manger. S'il ne mange pas là, c'est qu'il n'a pas faim. En fait, c'est ça. Je veux dire, ne sois pas sur le dos de ton mari comme si tu étais sur le dos de ton enfant. Non, non, non. Tu n'as pas mangé? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu fais ça? Non. C'est-à-dire que cette attitude-là, c'est l'attitude d'une femme qui a peur. Qui a peur, qui panique quand son mari est dehors, qui n'a pas confiance en elle. Qui a tellement peur de perdre son mari. Et toi, une femme, même quand tu te comportes comme ça, l'homme, il comprend ça tout de suite. Il commence à se donner un genre. Il commence à se donner un genre. Il commence à te demander moins. Il commence à faire des trucs où toi-même, tu te dis, mais je ne sens pas que mon mari l'a attentionné. Non, ton mari ne peut pas t'attentionner parce que tu es trop sur son dos. Tu es trop sur son dos. Non. C'est-à-dire que toi, une femme même mariée, quand tu es mariée, tu dois te mettre dans ta tête que tu es célibataire. C'est ça. Tu dois mettre dans ta tête, toi, une femme mariée, quand tu te maries là, dans ta tête là, tu dois te dire que tu es célibataire. Tu n'es pas une femme mariée. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es mariée, et puis tu es avec ton mari, quand tu te mets dans la tête, je suis une femme mariée. En fait, ça te rend stricte. Ça te rend plus intéressante. Parce que là, tu changes. Tu deviens trop sérieuse. Il y a trop d'interdits. Et ça, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, l'homme même, il te regarde, il te dit, mais attends, celle-là même, on s'est mariée, mais de toute façon, elle est devenue là. Franchement, je n'aime pas. Elle a trop changé. Elle est devenue trop sérieuse. Toi, une femme même, quand tu es mariée, tu dois te dire dans ta tête, je suis célibataire. Dans ta tête. Alors, quand on dit on est célibataire, ça ne veut pas dire qu'on va aller coucher avec un autre homme. Non. C'est une façon de dire que tu dois te mettre dans la tête que ton mari, il reste ton amant. C'est ton amant. Avant même d'être ton mari, il est ton amant. Et quand on est avec son amant, qu'est-ce qu'on fait? On se fait désirer. Quand on est avec son amant, on n'est pas trop accessible. C'est très important. Donc quand tu te mets ça dans la tête, ça fait que même ton mari, il est avec toi pendant 10 ans, 15 ans, il est fou de toi comme s'il venait de te connaître. Parce que tu n'as pas l'attitude d'une femme mariée, mariée, mariée. Voilà le genre de femme mariée trop stricte, trop sérieuse là. Qui prennent le mariage au sérieux là. Non. Toi en fait, tu es très détendu. Tu es très relax. Tu es avec lui-même, tu le rends encore jaloux. Parce que c'est important. Il y a des femmes qui disent non, mais pourquoi rendre son mari jaloux?
quand tu es une femme, tu es mariée, ne rends pas ton mari jaloux. Si, ma chérie. Tu dois rendre ton mari jaloux. Une femme doit toujours rendre son mari jaloux. C'est-à-dire que quand on dit de rendre son mari jaloux, ce n'est pas de façon... c'est pas de façon volontaire, c'est-à-dire que c'est pas forcé. Mais quand toi, une femme, même, tu rends ton mari jaloux, comment tu dois rendre ton mari jaloux? C'est ta façon de le laisser, de lui laisser son espace. Parce qu'un homme, c'est ça. Un homme, quand tu n'es pas jalouse, un homme, quand tu n'es pas sur son dos, automatiquement, il devient jaloux. Il s'est dit, mais normalement, je suis sortie, elle devait m'appeler. Normalement, je devais rentrer à 23h, je ne suis pas encore rentrée, il est minuit. Normalement, elle devait être dans mon téléphone. Pourquoi elle ne m'appelle pas? Ou bien normalement, je suis sortie toute la journée, je suis dehors là. Elle devait m'appeler, mais pourquoi elle ne m'appelle pas? Ou bien je ne sais pas, je ne comprends pas, ou bien même plus. Ou bien ma femme là, elle commence à me tromper. C'est-à-dire que l'homme, il faut le déstabiliser. Il faut déstabiliser son mari, c'est important. Quand lui-même il rentre à la maison, ou bien quand lui-même il t'appelle là, c'est lui-même qui commence à faire jalousie. C'est lui-même qui fait jalousie, qui te dit, mais je suis sortie depuis là, tu ne m'appelles pas. Ton mari est dehors depuis là, toi tu ne l'appelles pas. Hein? Tu ne t'inquiètes même pas. Tu lui dis, mais bébé, tu es un grand garçon. Tu es sorti, je te laisse le temps de t'amuser avec tes amis et tout. Voilà, c'est-à-dire que quand tu fais ça, ça te détend tout de suite. La robe n'est pas déchirée sur la poitrine. Si tu ne connais pas ça, on appelle ça décolleté. Oh. Pourquoi les you-boss là-même, ils fatiguent les gens comme ça? Si la robe est déchirée, à ton avis, il est déchiré. Faut te déconnecter. Laisse-moi. Oh. À quoi vous ne faut pas importer mes modèles? Si j'ai acheté une robe, le modèle là, il n'y a pas pour pas porter. C'est quoi? Est-ce que je suis nue? Oh, laissez-moi faire mon émission, arrêtez de me fatiguer, pardonnez. Je ne m'habille pas en fonction de vous, je m'habille en fonction de moi-même. Donc c'est très important, vous comprenez un peu? C'est très important. Donc ça fait que ton mari, il sent, parce que vous savez, les hommes, ils aiment la liberté. Ils aiment leur liberté. Et donc toi, une femme même, quand tu es mariée, et puis ton homme, tu lui laisses la liberté là. C'est lui-même là-même là, liberté là, il laisse. Liberté là, il laisse. C'est ça le secret. Parce que quand toi, une femme même, tu es mariée, puis tu te dis, mais moi, ah non, moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Ah non, moi, tu ne peux pas être avec moi, et puis tu vas sortir, et puis tu vas rentrer à 21h, tu vas rentrer à 23h. Ah non, moi, je t'appelle tout de suite. Hein. Je te demande, tu es où et tout. Quand tu fais ça là, garçon, même là, ça lui fait plaisir. C'est là, mais il fait malin sur toi. Mais quand tu ne le calcules pas, quand tu ne le calcules pas, façon, il est mélangé, façon, il est fond de toi. Façon, quand il rentre à la maison, il est au pas. Lui-même qui voulait sortir, là, arrivé à un certain moment, là, il ne sort même plus. Samedi arrive, il est dans la maison. Ses amis l'appellent et disent, il ne sort pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur son dos. Parce que toi-même, là, en fait, tu ne le gères pas trop. Voilà, c'est-à-dire que même à la maison, tu as ton espace. Même à la maison, tu as une façon de te comporter, tu n'es pas envahissante. C'est très important. Moi, je dis, toi, une femme même mariée, si tu as envie de te faire désirer, il faut vraiment te faire désirer. Parce que ce n'est pas parce que ton mari et toi, vous êtes dans la même maison, que tu vas être dans ses narines. C'est ça. Que tu vas être dans ses narines, non. Ton mari, toi-même, si vous êtes à la maison, il faut te faire désirer. C'est-à-dire que reste un peu dans ton coin. Reste un peu. C'est-à-dire, fais-toi un peu rare. Fais-toi un peu rare. Ton mari peut être assis au salon, en train de regarder la télé, en train de trucs. Tu peux rester un peu avec lui. Et puis après, tu te lèves. Tu vas dans une autre pièce. Ou tu vas dans la chambre. Tu vas faire autre chose. Ou même tu te lèves, tu te mets un peu à côté. Tu appelles un peu tes copines. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que tu es avec ton mari dans la maison, mais en même temps, tu fais des choses. En même temps, tu es dans la maison, mais on ne te voit pas trop. Attendez, il a bloqué ça. Attendez, il a bloqué ça. Ils font chier, c'est les personnes qui passent leur temps à juger là. Quand une coach ne peut pas montrer sa poitrine, n'importe quoi. C'est-à-dire que tout vous choque. On dirait des villageois. Tout vous choque. Où est la poitrine qui est dehors là? Petit décolleté, il est porté là. Ou la poitrine qui est dehors là. Quand une coach ne doit pas monter sa poitrine. Oui, une coach ne doit pas monter sa poitrine. Mais il faut aller regarder coach, il porte jusqu'en col roulé jusqu'au cou là. Il faut aller la regarder. Moi là, j'ai monté ma poitrine. Ceux que ça ne dérange pas là, il faut les laisser, ils vont me suivre. Et puis ceux que ça dérange là, quittez mon direct. Ne me prenez pas la tête. Voilà, franchement. Il a bloqué ça vite fait. Donc c'est ça, vous comprenez? C'est très important. Moi, je dis toujours, hein, je dis, vous savez, quand tu es avec ton mari, tu n'as pas besoin d'être tout le temps nu devant ton mari. Tout ça, ça fait partie du désir. Ça fait partie du désir. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, en fait, l'homme, si vous voulez l'homme, plus il te voit nu, plus il n'y a plus d'attirance. Plus il te voit nu,
plus il n'y a plus d'envie. En fait, les hommes, c'est comme ça. Même un homme marié, c'est comme ça. C'est-à-dire que ton mari, là, si tous les jours, il te voit nu n'importe comment, si tous les jours, il te voit nu n'importe comment, il voit tes seins n'importe comment, tes fesses dehors, tout ton corps dehors n'importe comment, arrivé à un certain moment, là, ton corps ne lui dit plus rien. C'est-à-dire que tu es dans la maison, là, et puis il ne regarde même plus ton corps. C'est-à-dire que tu ne l'attires plus. Voilà pourquoi je dis le corps d'une femme, la nudité d'une femme, ça doit être un mystère, ça doit rester un mystère. Même quand tu es marié, ta nudité doit rester un mystère. C'est-à-dire que ton mari, il doit te voir nu, mais à des moments précis. À des moments précis, pas n'importe comment. Non, non, non. Il y a des femmes qui me diront, mais c'est mon mari, on est marié, c'est quoi le problème? Non, ma chérie, si tu te vois nu tous les jours, arrivé à un certain moment-là, est-ce que ta nudité-là, ça va l'attirer encore? Parce que c'est ça, l'homme, il s'en lasse vite. L'homme, là, il s'en lasse vite. L'homme, il se dégoûte vite. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi on demande aux femmes de créer un mystère autour de leur nudité. C'est-à-dire que quand tu es dans la salle de bain, que tu es en train de faire tes petits trucs, tu es en train de te pouponner, tu es en train de faire tes petits trucs, ne reste pas là comme ça, ne laisse pas la porte ouverte comme ça pour que ton mari te regarde tout le temps. Non. Parce que souvent, ton mari, quand tu rentres dans la salle de bain, que tu vas te pouponner, il a envie de voir celle que tu vas devenir. Donc, quand il ne sait pas ce que tu as fait pour devenir waouh là, ça crée un mystère autour de toi. Mais ton mari, il est dans tes narines. Tu es devant lui. Tu es en train de tirer les narines les poils de tes narines. Tu es en train de t'épiler devant ton mari. Tu es en train de raser poil ici devant ton mari. Tu es en train de faire ça ici devant ton mari. C'est pas bon. C'est pas bon. Arrivé à un certain moment, tu deviens banal. Tu es dans le foyer, mais tu es banal. C'est-à-dire que ton mari, il a une façon de se comporter. Maintenant, quand il voit ton corps même nu, ça ne lui dit plus rien. Vous comprenez, mes chéris? Faites très attention. Faites très, très attention. Même quand on est marié, on doit faire attention. Parce que l'homme, on ne peut pas lui faire confiance à 100%. L'homme, on ne peut pas se dire qu'il est acquis à 100%. Non, même après le mariage. Donc l'homme, tu dois toujours te faire désirer pour qu'après le mariage, il soit toujours cramponné derrière toi. C'est très important. Moi, je dis toujours, hein, je dis, vous savez, l'intimité, c'est très important. Parce que quand toi, une femme même, on te dit de te faire désirer, l'intimité, ça en fait partie. Parce qu'on ne peut pas parler de comment se faire désirer après le mariage, sans parler de l'intimité. Ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu. Donc l'intimité, c'est-à-dire que toi, une femme, tu dois te faire désirer dans ton intimité. C'est très important de se faire désirer dans son intimité. C'est très important, toi, une femme, d'être toujours bien mise. Moi, je dis toujours, je dis, vous savez, quand on dit une personne sait s'habiller, ce n'est pas forcément être à la mode, non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est à la mode, ça veut dire qu'on est hiérarchique, ça veut dire qu'on sait s'habiller, on se connaît, non. En fait, il y a des modes qui sortent, mais qui ne te conviennent pas à toi. C'est-à-dire qu'il y a des tenues qui peuvent sortir, qui sont à la mode, mais toi, ça ne te convient pas. Par exemple, il y a une tenue, il y a un style qui était sorti à un moment, là. Je ne sais pas si ça continue toujours. Les habits larges, là. Oui, il faut porter les vestes larges, il faut porter les pantalons larges, et puis tout ça, là. Moi, ça, là, je n'ai jamais porté ça, je ne vais jamais porter. Pourquoi? C'est vrai, c'est à la mode, mais ça ne me convient pas. C'est à la mode, mais ça ne me convient pas. En fait, ce style-là, ça ne va pas m'aller. Parce que je me connais. Je sais comment je suis. Je sais que si je porte les habits larges, là, je vais devenir ridicule. Attendez, oh, c'est qui ça, là même? Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Oui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voilà, je parlais de la mode. Je disais que, en fait, la mode, ce n'est pas toutes les modes qu'il faut mettre. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois te connaître. Ce qui va avec toi, ce qui te met en valeur, là, c'est ce que tu dois porter. Tu ne dois pas suivre la mode bêtement. Parce qu'il y a des femmes qui suivent la mode bêtement, mais elles portent des tenues. Au lieu que ça fasse ressortir leurs atouts, ça les rend moches. Voilà, parce qu'elles sont dans la mode. Elles sont en train de poursuivre la mode. Quand quelque chose sort aujourd'hui, parce que l'autre a porté, ça lui va, elles vont acheter pareil et puis elles portent. Mais quand elles portent là aussi, ça ne leur va pas. Elles sont ridicules dedans. Elles disent qu'elles sont à la mode. Donc mode là, ça ne veut pas dire qu'on se connaît. Toi une femme, tu dois te connaître. C'est-à-dire que toi une femme, tu dois savoir ce qui te va. Tu dois savoir ce qui est joli avec toi. Tu dois savoir ce qui te met en valeur. Voilà. Ça veut dire que si tu es une femme en Togo Moro, si tu es une femme en Togo Moro, il y a des tenues que tu vas porter et ça va camoufler ta forme. Et donc, on ne va pas voir un peu ce déséquilibre-là dans ta forme. Si tu es une femme, tu as la taille droite. C'est-à-dire que si tu es droite, il y a des tenues que tu portes. Et ça fait ressortir, en fait, tes atouts. Et ça camoufle un peu le côté trop droit. Quand tu es une femme, tu es en guitare, il y a des tenues que tu dois porter pour que ça fasse bien ressortir tes formes. En fait, une femme, elle doit se connaître.
Une femme, elle ne doit pas s'habiller parce que sa camarade a porté. Moi, c'est ce que je dis. Je dis combinaison qui est là. Combinaison qui est là. Ce n'est pas tout le monde qui doit porter combinaison. Quand toi-même, tu vois ta camarade qui a porté une combinaison et que tu regardes sa forme, elle est, c'est-à-dire sa forme même est appropriée dans la combinaison là. Quand toi-même, tu regardes, tu sais que tu es en Togo Moro ou bien tu sais que tu es en Dadadada, tu ne vas pas aller prendre la même combinaison pour porter. Parce que toi, quand tu vas mettre combinaison là, ça sera énervant. Voilà, c'est-à-dire que le monsieur, il va te regarder, il sera énervé. Donc, c'est ça. Donc, toi, une femme, tu dois connaître ton corps. Tu dois connaître ce qui est bon pour toi, ce qui est bien pour toi. Et puis, tu portes. Donc, ça fait que tu es toujours attirante. Tu es toujours belle parce que tu te connais. C'est très important. Et puis, vous savez, moi, je dis toujours, hein, y a des femmes qui disent, mais tu es une femme, tu es mariée. Si ton mari a envie de te mourir tous les jours, pourquoi refuser? Pourquoi refuser? Il faut accepter si ton mari t'a marié. Pourquoi refuser même un... ton mari, s'il a envie de toi, ça c'est un péché, c'est pas bon. Il y a des gens qui se permettent en fait de se plaindre sur les réseaux sociaux. Oui, elle parle tout le temps de Mougouli. Oui, elle parle tout le temps Bangala. Elle parle tout le temps. En fait, il y a des gens, il y a des choses que je comprends pas. Vous comprenez? Il y a des choses que je comprends pas. C'est-à-dire qu'une personne qui s'occupe de la vie de couple, une personne qui met un thème qui concerne le couple, et cette personne, on lui dit, parle du thème, mais parle pas Mougouli. Parle du thème, parle pas Bangala. Moi, je comprends pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Attendez, j'ai vu un commentaire là. Attends, j'ai bloqué ça. Les Yougos là. Oui, vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire que les gens disent, oui, mais elle est tout le temps en train de parler Mougouli, elle est tout le temps en train de parler Bangala. Oui, parce que mes thèmes que j'aborde, les thèmes que j'aborde, c'est des thèmes en fait qui touchent forcément ce domaine-là. Donc, toi, une personne que ça ne concerne pas, le fait que je parle Bangala, que ça ne te concerne pas, ne viens pas me suivre. Toi, une personne, le fait que je parle Mougouli, ça te dérange, ne viens pas me suivre. C'est-à-dire que toi, tu es sur les réseaux sociaux, ce que toi, tu sais faire là, il faut présenter aux gens, ils vont suivre, ils vont regarder. Parce que c'est ça, les réseaux sociaux là, ça ne ment pas. Les réseaux sociaux là, ça ne ment pas. C'est-à-dire que quand tu viens présenter ce que tu sais faire là, quand ça plaît là, quand c'est intéressant là, tu as beaucoup d'abonnés. Tu gagnes beaucoup d'abonnés. En un record, tu gagnes beaucoup d'abonnés. Mais quand ce que tu fais là, ce n'est pas intéressant, ça ne plaît pas là, tes abonnés ne bougent pas. Tu restes là depuis des années sur les réseaux sociaux, puis tu as petit abonné comme ça. Tes abonnés là sont petits. On dirait quelqu'un qui est sur Facebook il y a 3 mois. En tant que toi, tu es là, ça fait des années et des années. Mais tu as petit abonné. Parce que ce que tu fais là, ça n'intéresse pas les gens. Ce n'est pas intéressant. Voilà, parce que tu ne proposes rien. Toi, tu es dans la critique. En tant que les gens, ils ne font rien ça. Ils font rien les gens qui sont dans la critique. Eux, ils veulent les gens qui apportent, qui disent quelque chose. Voilà pourquoi, ça fait 2 ans, j'ai ma page, j'ai fini ça. Je suis à 494 000 abonnés. 494 000 abonnés en 2 ans. Ça, il faut le faire. Donc, ce que je fais là, ça plaît. Donc, toi qui trouves que ce que je fais là, ça ne plaît pas ou bien ça ne te plaît pas là, faut garder tes critiques pour toi. Faut plus venir me suivre. Moi, je ne te cherche pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce qu'il y a des femmes qui disent oui, mais quand tu as une femme mariée et tout, si ton mari, tant qu'il a envie de mougou avec toi, il faut mougou avec lui. Je dis non. Je dis non. Ce n'est pas parce que tu es mariée, tu es avec ton mari, que tant qu'il a envie de mougou avec toi, tu dois accepter de mougou avec lui. Non. Faut te faire un peu désirer. Faut te faire un peu désirer. Qui a dit que le fait que tu dises à ton mari tu n'as pas envie de mougou, ça veut dire que c'est un péché? C'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que toi, une femme même mariée, si tu es avec ton mari, que tous les jours il veut te mougou, tu te donnes. Tous les jours il veut te mougou, tu te donnes. Mais arrivé à un certain moment là, le mougou lui-même, ça ne va rien lui dire. Toi-même là, tu ne vas rien lui dire. En fait, il n'aura pas l'amour. C'est pas là. C'est-à-dire que ça va devenir une habitude. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ne soyez pas dans des foyers où vos maris vous mougoussent par habitude. Non. Ton mari doit te mougou par envie. C'est très important. C'est-à-dire que ton mari, quand il te mougou là, il doit te mougou parce qu'il a envie. Il ne doit pas te mougou parce que c'est une habitude. Tu es une femme, tu es couché à côté, il faut qu'il te mougou. Un homme qui te mougou par habitude, il n'y a rien. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Ce n'est pas intéressant. En fait, c'est la routine. Donc, il sait qu'il doit rentrer pour ne plus descendre. Non. Et donc, toi, une femme même, pour que ton mari te mougou par envie, tu dois te faire désirer. Ça veut dire que tu dois accepter de te laisser mougou une fois sur deux. Ou bien même si, de temps en temps, tu veux te laisser mougou tout le temps, c'est-à-dire que ça dépend. Mais en tout cas, il ne faut pas te donner tout le temps.
Si tu donnes tout, tu te donnes tout le temps, c'est fini. Tu n'es plus... En fait, il n'y a plus de sucre dans toi. Il n'y a plus de sucre dans toi. Donc, vous, les femmes, en fait, ne vous dites pas que mon mari, s'il veut me mourir aujourd'hui, que je refuse, il va aller chez la maîtresse ou tant. Non. Ton mari va aller chez la maîtresse si tu refuses tout le temps. Ça veut dire que si tu as refusé lundi, mardi, tu as refusé, mercredi, tu as refusé là, ton mari, là, ça peut l'emmener chez maîtresse. Mais si tu as refusé lundi, mardi, là, tu peux donner. Ou bien même si tu as refusé lundi, la nuit de lundi, là, le mardi matin, là, vers les 5h, 6h du matin, là, tu peux donner. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se faire désirer. Et puis, même si ton mari, mais c'est-à-dire que ton mari, même s'il a envie de te mourir, moi, je dis toujours, j'ai ton homme, même s'il a envie de te mourir, il ne faut pas accepter tout de suite facilement, non. Parce que l'homme, là, il a l'instinct animal. L'homme, c'est un animal. C'est-à-dire que l'homme, là, vous voyez le lion. Vous voyez le lion quand il a envie de mourir, là. Comment ça se fait? Le lion, quand il a envie de mourir, la lionne, là, il a une façon de lui courir après. Elle le fait tourner un peu. Tout. Et puis même quand il veut la mougou, il y a un peu un petit truc, façon, genre elle veut pas, pourtant elle veut. Et puis quand lui-même, il a envie de la tuer, c'est comme ça. Donc toi, une femme, même quand ton mari a envie de te mougou là, faut pas t'écarter en bas de lui en même temps, boum. C'est-à-dire que ton mari même, il se couche, dès que même il fait un petit geste comme ça, tu es écarté en même temps, tu lui donnes non. Ton mari quand il veut te mougou là, c'est-à-dire qu'au départ, là, faut lui dire non, tu es fatigué. Faut lui dire non, je suis fatigué. Ah non, je suis fatigué au-delà, bébé, pardon, je suis fatigué demain. Et puis, il va te demander un peu pardon. Il va un peu te forcer. Voilà, c'est-à-dire un peu insister. Et puis, quand il insiste, plus tu te laisses faire. C'est-à-dire que là, tu t'es fait un peu désirer. Avant de te mourir, tu as un peu résisté. Donc, ça fait que ton mari, quand il te prend là, lui-même là, en fait, c'est autre chose. C'est un autre plaisir. Parce que tu t'es laissé un peu... C'est-à-dire que ça n'a pas été facile au début. C'est-à-dire que tu t'es rendu un peu difficile au début. Donc, quand ton mari est là, il a envie de... Mais c'est-à-dire que... C'est un autre goût. C'est un autre plaisir. Vous avez compris? Parce que le garçon qui est là, moi, il vous dit toujours, hey, les hommes, ils voient la vie autrement. Les hommes, ils voient la vie autrement. C'est-à-dire que l'homme, même s'il a cette facilité de te mourir tout le temps, à chaque fois qu'il veut de toi, il te mourir tout le temps là. Arrivé à un certain moment là, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que tu es couché à côté de lui, il ne te touche pas. Ou même pour rien, il fait chambre à part. Pour rien, il fait chambre à part. C'est très important. Toi-même, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, mon mari, même, il ne comprend pas. Lui, moi, quand on se prend la tête un peu, c'est lui qui va dormir dans une autre chambre. C'est lui qui dort dans le canapé. Oui, ma chérie. Parce qu'il fait malin. Il t'a trop mougou. Il te mougou trop. Tu es trop accessible. C'est-à-dire que tu ne te fais même pas désirer. C'est-à-dire que toi, tu es une femme mariée. Tant que ton mari veut, là, toi, tu donnes. Tant qu'il veut, tu donnes. Pourquoi? Ma chérie, toi aussi. Hein? Pourquoi? Ce n'est pas tous les jours qu'il faut donner. Hein? Il n'a qu'à rester, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à avoir envie, et puis tu vas dire non un peu, il n'a qu'à serrer un peu son visage, il n'a qu'à se fâcher un peu, et puis il va dormir. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu penses que si tu fais ça là, il va faire quoi? Faut le laisser comme ça, il va dormir. Le lendemain, quand il va se réveiller, puis il va aller au travail là, c'est dans sa tête. Le soir, quand il vient là, tu l'attrapes. C'est-à-dire que le soir, quand il vient où il se dit qu'il est fâché et tout là, c'est là que tu le surprends. Tu l'attrapes, quand tu l'attrapes là, tu le mougues bien. Quand lui il est couché, il est content. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut donner de la valeur à son bijou. Il faut donner de la valeur à son bijou. Plus tu donnes de la valeur à ton bijou, bon, je ne m'occupe plus des commentaires. Sinon, ce n'est pas bon. Plus tu donnes de la valeur à ton bijou, plus ton bijou, franchement, ton mari il trouve ça de plus en plus jeune. Il trouve ça de plus en plus intéressant. Il trouve ça de plus en plus sucré. Vous comprenez un peu? Il faut savoir donner de la valeur à son bijou. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, ta femme, toi une femme, même si tu as envie, comment? Même si ton mari, tu es malade de ton mari, comment? Ma chérie, souvent, il faut attraper ton cœur. Et puis quand il veut, il faut lui dire non. Et puis laisse-le dormir. Et puis tu vas lui donner le lendemain. C'est très important. Oui, parce que c'est ça. C'est-à-dire que toi une femme même, quand tu ne te fais pas désirer, que ton mari t'a tous les jours. Il y a une dame une fois qui me disait, elle dit que je suis avec mon mari et moi on mougou tous les jours. Elle dit mon mari et moi on mougou tous les jours. C'est-à-dire, elle dit depuis elle avec son mari, il mougousse du lundi au lundi. Ça veut dire que quand il ne mougousse pas là, c'est qu'elle a ses règles, elle a ses menstrues. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit coach, mon mari et moi quand on mougou pas, c'est que j'ai mes menstrues. Sinon, à part ça là, lui et moi on mougou tous les jours. Il n'y a pas un jour mon mari et moi on mougou pas. On mougou la nuit. Le matin, on mougou. Avant qu'il parte au travail, on mougou. Il dit, mais ma chérie, c'est quoi ça?
C'est dans quel mariage toi tu es comme ça là? Ton mari, donc depuis tu as ton mari là, si tu n'as pas tes menstrues là, vous deux vous mougoussez tous les jours comme ça? Ah! Non, tu n'es plus sucré. Elle dit, ah bon coach, mais c'est mon mari. Il dit, mais et puis quoi? Mais il est habitué. Si je ne donne pas, il va se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher, c'est quoi ça? Lui-même là, même tous les jours, il te mougoule, il gagne quoi dedans? Ou bien il a quel plaisir encore dans ça? Non! Ton mari va te mougou la nuit. Le lendemain, il se réveille avant d'aller au travail, il te mougou. Il est toujours dans ton bas-ventre. Pourquoi? Pourquoi? Que souvent, même quand il fait, entre midi et deux, quand il prend sa pause entre midi et deux, là, il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, quand il est là, il a mougou. Avant de reprendre à 14h, j'ai dit, ben dis donc. Ben dis donc, ma chérie. Ça que toi, vraiment, hein? Ça, c'est pas de l'amour, hein? J'ai dit, ça, c'est pas de l'amour. Non. Ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Non, non, non. Franchement, les filles, si vous faites ça, arrêtez. Si vous faites ça, là, arrêtez. Tous les jours, c'est pas bon. Un homme, ton mari, même si c'est ton mari, même si tu as mis une bague au doigt, même si tu as mis une bague au doigt, il reste un homme. Il reste un homme. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de te faire désirer pour que votre mariage dure. C'est de te faire désirer pour que votre mariage y ait de l'oxygène tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que sur un long moment, sur un long temps, parce qu'il faut penser à l'avenir, il faut penser à demain. Mais si toi, une femme, tu donnes trop à ton mari, qu'après il est dégoûté, votre mariage là, arrivé à un certain moment là, ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'il ne te touche plus. Il ne te regarde plus. Et puis tu es malheureuse dans ton foyer. Voilà pourquoi on dit qu'il faut te faire désirer. Quand tu te fais désirer, ton mariage dure. Ton mari, il a de plus en plus envie de toi parce que tu crées un manque. Il faut créer un manque. Le manque, c'est quoi? Le manque, c'est quelque chose que ton mari veut. Tu ne lui donnes pas, ça crée un manque. Et donc, quand tu finis par lui donner, il est content, il est joyeux, il prend ça avec plaisir, il déguste ça autrement. C'est très important. C'est ça. Quand ton mari m'aime, c'est-à-dire que tu n'es pas tout le temps sur son dos, quand tu n'es pas tout le temps en train de faire de la jalousie, quand tu n'es pas tout le temps en train de vouloir trop faire, genre tu es trop gentil, c'est toi dans le foyer là, tu donnes trop. Tu donnes trop. Tu es dans sa famille comme ça. Lui-même là, tu es sur lui comme ça. Tu te sacrifies pour lui. Tu t'oublies même toi-même. C'est-à-dire que tu n'as même plus de vie. C'est ton mari. Ton mari. Ton mari. Ton mari. Tu dis oui, il est là. Moi, mon mari, il passe avant tout. Moi, mon mari doit être heureux. Moi-même, je m'oublie. C'est mon mari avant. Mais arrivé à un certain moment-là, le monsieur-là, tu vas commencer à le dégoûter. Et puis, il va commencer à faire le malin même. C'est ça. Il va commencer à faire le malin parce que tu ne penses pas à toi-même d'abord. Tu ne penses qu'à lui. Parce que tu cèdes à toutes ses caprices. Parce que tout ce qu'il veut, tu lui donnes. Tout ce qu'il a envie, tu fais. Non, les filles, non. Vous comprenez? Non. En fait, quand on est marié là, c'est juste le nom, on est marié. Sinon, dans l'attitude d'une femme mariée, elle doit toujours rester l'amante de son mari. Et son mari doit toujours rester son amant. Et donc, quand tu es comme ça, dans ta relation, dans ton foyer, tu plais à ton mari. Tu te fais désirer. Tu as une façon d'être, tu es douce. Ton mari et toi, vous pouvez faire 10 ans ensemble. Vous pouvez faire 15 ans ensemble. Il sera toujours malade de toi. Il sera toujours fou de toi. Parce que tu es fatal. Vous comprenez? C'est très important. Hein? C'est très important. Parce que tu es fatal. Toi, une femme mariée, tu dois rester fatale. Moi, je suis une femme mariée fatale. Moi, je suis fatale. C'est-à-dire que j'aime me faire désirer. J'aime ça. Je me fais désirer à tout moment. Pour rien, je me fais désirer. C'est-à-dire que mon mari, il me dit souvent, mais toi là-même, tu fais en direct, tu n'es pas ma femme. Il dit, oui, je suis ta femme, mais alors? Je suis ta femme et alors? Donc, pareil, je suis ta femme, tu dois tout avoir facilement, tu dois tout, je dois, non. Non, non, je suis ta femme et alors? Donc, c'est ça, c'est pour dire qu'il y a des hommes qui pensent que parce que tu es leur femme, tu dois tout accepter, tu dois céder à toutes les caprices, tu dois tout faire, tu dois te donner comme ça. Non, toi, une femme, là, il faut que tu montes à cet homme-là que non, je suis une femme mariée, mais je reste fatale. J'ai ma vie à moi, j'ai mon espace à moi, tu as ton espace à toi, tu as tes amis, j'ai mes amis. Tu as ton entourage, j'ai mon entourage. Donc, je sais faire la part des choses. Vous comprenez un peu, c'est très important. Ne restez pas dans les narines de vos maris. Hein? Ne restez pas dans les narines de vos maris. Hein? Si vous restez dans les narines de vos maris, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Parce que toi, une femme même, pour te faire désirer, si tu n'as pas une activité, ça va être chaud. Ça va être chaud. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que pour te faire désirer là, il faut que tu aies une activité. Ça veut dire qu'il faut que tu sois occupé. Il faut que tu aies une préoccupation. Voilà, tu as une occupation. Ça veut dire qu'il faut que quand tu te réveilles le matin, il y ait quelque chose à faire.
Quand c'est comme ça, tu n'as pas le temps d'être toujours sur le dos de ton mari. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Oui, il ne faut pas que tu sois tout le temps sur le dos de ton mari. Donc, si tu as une activité, l'activité va te permettre en fait de t'occuper d'autres choses, de te concentrer là-dessus. Et ça fait que quand tu finis, tu es fatigué. Donc, tu n'as pas le temps de voir qu'il est au téléphone, de voir qu'il ne t'a pas appelé, de voir qu'il ne te regarde pas, de voir qu'il ne te, il parle pas avec toi. Tu n'as pas le temps parce que tu es en train de penser à tes activités. Tu es en train de compter ton argent et que le soir, tu es fatigué. Donc, tu n'as pas le temps de faire des jalousies inutiles. Tout ça, ça fait partie de la femme fatale. Tout ça, ça te permet de te faire désirer. Parce qu'une femme qui a une activité, elle se fait désirer au maximum. Parce qu'elle est occupée. Voilà, elle est demandée. Si tu es une femme de businesswoman, si tu fais les affaires, tu fais le commerce et tout, voilà, ça fait que tu as tes clients qui t'appellent à tout moment. Tu as toujours des rendez-vous avec des partenaires. Tu es tout le temps parti. Ou bien même quand tu es là, tu as tout le temps au téléphone avec tes partenaires. Tu as tout le temps au téléphone avec tes clients. Donc ton mari même, tu n'es pas sur son dos. Ton mari même, tu n'es pas là à faire de la jalousie inutile. Et puis tu t'en fous un peu. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la peur de perdre. Tu n'es pas dans la peur de perdre ton mari. Parce que tu as d'autres choses à faire. Mais quand tu fais ça même, l'homme même avec qui tu es, mais il t'admire tellement. Et puis il t'aime encore plus. Parce qu'il voit que tu n'es pas concentré que sur lui. Tu n'es pas focalisé que sur lui. Vous comprenez mes caviars. Quand vous êtes marié, ça n'a rien à voir avec votre vie professionnelle. Quand vous êtes marié, ça n'a rien à voir avec votre épanouissement à vous-même. Non. Parce que ton mari, c'est ton mari, mais il y a toi d'abord. Il y a ta vie d'abord. Il y a ton espace d'abord. Ne confondez pas tout. Quand vous êtes marié là, ça ne veut pas dire que vous formez un, mais ça ne veut pas dire que vous devez tout faire ensemble. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire ensemble. Vous avez compris mes amours. Quand il y a quelque chose dans le foyer, quand il y a quelque chose que ton mari fait, si tu n'as pas aimé, ma chérie, c'est pas la peine de te taire. Non. Ne te tais pas pour dire oui, peut-être que si je parle à mon mari, il va se fâcher. Peut-être que si je parle à mon mari, il va me punir. Non. Une femme qui se fait désirer, elle est fatale. Une femme fatale, c'est celle-là même qui sait communiquer. C'est celle-là même qui sait dire à son mari, si il lui a fait quelque chose qu'elle n'est pas contente, elle le dit à son mari, elle communique avec son mari. Donc toi, une femme même mariée, ne reste pas une bobo, n'accepte pas tout, ne sois pas une bénie, oui, oui, non. Si ton mari fait quelque chose que tu n'aimes pas, il faut communiquer avec lui. Il faut lui dire directement ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire, quand on dit de lui dire, ce n'est pas comme une relation copain-copine. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans du tic au tac, non. C'est-à-dire que tu attends un moment approprié et tu parles à ton mari. Tu lui fais comprendre que tu n'as pas apprécié ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi je parle toujours de la conversation sous la couette. Les causeries sous la couette. C'est très, très efficace. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es avec ton mari, si ton mari t'a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, si ton mari t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, tu n'es pas obligé de lui répondre tout de suite quand il est en train de te parler, quand il est en colère. Non, tu attends. Quand vous allez vous coucher, là, pendant que vous êtes dans le lit, tu parles à ton mari. Tu lui dis ce que tu n'as pas aimé. Tu lui dis ce que tu veux lui dire. Et l'homme, ça rentre dans ses oreilles. Ça rentre. Parce qu'avant de lui dire ça, peut-être qu'après vous allez mougou. Ou bien quand vous finissez de mougou, c'est là que tu lui parles. En fait, c'est des moments très importants. C'est des moments où l'homme, il est détendu. C'est des moments où l'homme, il est très apaisé. C'est-à-dire que c'est fini, il est apaisé. Donc, tout ce que tu dis, ça rentre. Tout ce que tu dis, il comprend. Parce que ta façon même de lui dire, tu lui dis ça sur un ton bien apaisé. C'est très important, mes caviars. Vous avez compris? Vous êtes des femmes mariées. Mais le but, c'est que vous gardez votre foyer. Le but, c'est que votre mariage continue. Le but, c'est que vos maris restent amoureux de vous. Vos maris restent fous de vous. Parce que quand tu es dans un foyer, ne te contente pas de « oui, on est ensemble, on est mariés, ça suffit ». Non. Quand tu es dans ton mariage, tu dois toujours faire de telle sorte que ton mari soit fou de toi. Que ton mari soit malade de toi. Et pour que ton mari soit malade de toi, toi, une femme, tu dois rester une femme mariée fatale. Tu dois te faire désirer. C'est très important. Tu ne peux pas rester dans un foyer et ne pas te faire désirer. Si tu restes dans un foyer, tu ne te fais pas désirer, ton foyer ne va pas durer. Parce qu'arrivé à un certain moment, tu seras malheureuse. Tu seras triste. Tu vas être malheureuse dans ton foyer. Et ce n'est pas ça le but. Vous avez compris? Je vous embrasse, mes amours. Ouh, il est 16h. Il est 16h, il est 16h. Mes clients m'attendent. Ok, d'accord, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.
Je vous embrasse. C'est la coach champagne. C'est la coach caviar. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quelle MP. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle est dans la pratique. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.